m'appelle Mina Remezi et je viens tout juste d'être diplômée du master FAM, donc Food and Agro Business Management, d'Audencia Business School. Alors, je suis senior account executive chez Hopscotch PR. C'est, si on le traduit en français, c'est-à-dire que je suis consultante au sein d'une agence de communication qui s'appelle Hopscotch. J'ai choisi le programme Food and Agro Business Management parce qu'à la base, j'étais dans une formation plus généraliste, mais j'étais toujours très attirée par à la fois le domaine de la food et de l'agribusiness, mais aussi les questions de marketing, de communication et de RSE. Et j'ai trouvé dans ce programme proposé par Audencia Business School le parfait mélange entre le secteur qui m'intéressait le plus et les cours qui pourraient m'apprendre dans les activités et dans les industries qui m'attiraient le plus aussi. Le programme FAM vous permet d'acquérir des connaissances assez généralistes, à la fois dans des questions de supply chain, de management, de communication digitale, mais vous permet aussi de faire une plongée dans le domaine du food and agro business management à travers à la fois des cours spécialisés sur la question, mais aussi des visites directement en entreprise. Moi, j'ai eu l'opportunité, par exemple, de visiter une ferme d'huîtres pour comprendre l'ensemble des challenges et questionnements de ce que c'était d'avoir une ostréiculture. Et c'était très intéressant pour comprendre et ça m'a donné envie d'aller plus loin dans le food and agro business management. Avant de clôturer mon programme FAM, j'ai réalisé un stage de 6 mois au sein de Royal Canin dans leur locaux monde, au sein de l'entité RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises en communication. Cette expérience finale m'a donné un aperçu des enjeux RSE que pouvait avoir le domaine de la food et plus particulièrement de la pet food, mais ça a aussi confirmé mon appétence pour la communication et j'ai ainsi décidé de passer non plus du côté des annonceurs mais du consulting en partant dans une boîte de communication qui s'appelle Hopscotch où j'ai pu intégrer cette entreprise grâce à mes cours de communication digitale plus particulièrement car aujourd'hui je travaille sur des questions d'algorithmes Instagram ou Twitter tout en ayant toujours un petit côté food.